l'anglais est reconnu comme étant la langue juridique d'Angleterre, au détriment de la langue française. C'est quoi guerre... guerre de 100 ans. Guerre de 100 ans. Alors Gavin, on avait aujourd'hui que tu as été champion pour question pour un champion organisé par OCLAP et tu es revenu de très loin parce que tu étais mené au score par le candidat de base de Piscine de Yale. Comment tu te sens après cette victoire? Bah déjà, il y a moins de stress. Directement, dès que j'ai eu le 10e point, je me sens bien plus relâché. Je suis assez fier, on va dire, de pouvoir représenter mon école surtout, et surtout ceux qui sont venus avec moi. Ils ne se sont pas déplacés pour rien. Et je tiens quand même à dire celui qui était mon adversaire, qu'il a extrêmement bien joué et que je m'attendais vraiment pas à gagner en fait, tout simplement. Quand il est monté jusqu'à 8 points, je pensais que c'était fini là. Voilà. Et on a vu qu'il y avait des questions assez compliquées. Comment s'est passée la préparation avant de venir ici? Honnêtement, le problème c'est que vu que je fais pas littérature, tout ça, c'est mon gros point faible. Du coup, j'ai été plus voir un peu, m'enseigner sur les livres, surtout des auteurs connus, etc. J'ai vu que les réponses qui étaient plus... Enfin, que j'ai pu répondre le plus facilement pour moi, c'était plus celles qui étaient basées sur l'histoire. Voilà. Et un message pour l'année prochaine, par exemple, ceux qui vont venir l'année prochaine, parce qu'on a vu que pour toi, c'était assez compliqué de gagner, mais c'est quoi le message, finalement? Mais franchement, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, essayez au moins. Et je conseille bien préparer quand même, avant, parce que avoir des belles surprises. Et surtout bonne chance. Hein.